Là, ça va avec le micro, là. Très bien. Ouais. Bonjour Bernard. Ouais. Salut à toi. Donc nous sommes au salon de l'Île-de-France à Mennecy, édition 2024, en compagnie de Bernard Sova. Ben, je suis très honoré de te recevoir. Et donc Bernard, qui a une longue carrière derrière lui, alors d'abord de professeur de mathématiques. Longue carrière, oui, après prof de maths et de physique-chimie. Mais j'ai fait souvent les deux ensemble au départ, parce ouais. que je ne pensais pas que dans 50 ou 60 ans, je chanterais encore. Mais alors, et ce qui est formidable. Mais tu chantais déjà quand tu étais prof, c'était déjà une passion. Ah oui, oui, mais quand j'ai fait Le professeur est un rêveur, j'étais au lycée, j'allais au lycée le matin. D'accord. Et j'entendais dans ma bagnole passer ma chanson, et c'était formidable. Et donc c'est là que tu as rencontré quelqu'un qui a dit qu'il allait faire de toi le nouveau Traîné. Traîné, ah oui, ça c'est, oui, c'est le directeur d'Europe numéro 1 et directeur d'Europe numéro 1. C'était pour moi, et quand je suis arrivé dans son bureau avec ma guitare, il a dit ne me dérangez pas, je vais écouter pendant une heure ce qu'il fait. Parce que je suis pas, j'ai pas commencé, j'ai pas débuté sans chanson, quoi. C'est ce qui est important, c'est que lorsque je suis allé voir Monsieur Maurice, il était intéressé par l'unité un petit peu de mes chansons, et c'est vrai qu'il a dit je vais faire de vous de nouvelles entraînées, parce que bon, c'était d'abord une guitare et des textes, c'était les textes qui étaient un peu fleur bleue. Oui, oui, après, oui. Ça a évolué, c'est normal. Ce qui est normal. En 60 ans de chansons. Hein. Oui, oui, ben, on évolue tous, c'est bien. Voilà. Et ben, tout ça est dans mon bouquin, tu vois, c'est un bouquin. Donc, c'est un bouquin qui raconte ta vie, ta carrière. Qui raconte la vie des chansons, il y en a 150 là-dedans. Et les gens sont intéressés parce que bien souvent ils recherchent les textes parce qu'ils se souviennent des mots importants d'une chanson. Et c'est pour ça que ben, c'est sorti hier, donc tu vois. Ah oui, c'est sorti, c'est une sortie très très récente. Non, j'ai refait une sortie parce que je l'avais fait dans les années 2020. Et je trouve qu'avec le temps, puisque je suis encore présent, autant en parler. C'est vrai. Profitons du fait que nous ayons encore des chanteurs qui ont chanté notre jeunesse. Non, je crois que souvent en concert, je dis, les gens me disent pourquoi vous chantez encore. Mais moi, c'est ma vie. Oui. Mes chansons sont mes enfants, donc je ne vais pas les abandonner. Bernard Sauva, à la rigueur, je m'en fous, mais pas mes chansons. Oui, mais c'est bien, c'est important. Et donc, c'est comme les enfants, donc vos chansons sont comme les enfants, donc vous n'avez pas de préférés alors? Ou vous en avez des préférés? Si, j'ai des préférés parce que ça dépend aussi des orchestrations que j'ai faites avec des grands orchestrateurs comme Jean Nuzzi, comme Tony Rallo, qui ont fait Hervé Roy, qui ont fait avec mes chansons des petits bijoux finalement par rapport à ce que j'ai mis dans les cordes. Par exemple, avec Jean Nuzzi, c'était Andy, le roi des cordes, oui. Et lorsque je chante ces chansons, je n'oublie jamais de dire que c'est aussi grâce à eux. Parce que mais mes chansons étaient bien foutues au départ, c'est peut-être pour ça. Oui, oui, il y a forcément une qualité de base, sinon ça ne marcherait pas. C'est pour faire un bon aliment, il faut un bon cuisinier, mais il faut des bons ingrédients. Exactement, exactement. D'ailleurs, j'aime bien faire la cuisine. Et j'ai eu un restaurant pendant 20 ans, alors qui était un bistrot que j'avais appelé bistrot du musée, où tous les plus grands chanteurs sont venus chanter, que ce soit Croisi, Nicoletta, enfin bon, j'ai pas tous les noms parce qu'ils sont tous venus, Cora Vauquer, Colette Renard. Et c'était où? C'était à Barbizon? À Barbizon, oui. Oui, parce que tu habites à Barbizon, c'est ça? Ça manque beaucoup maintenant. Oui. Il y a un peu d'âme qui est partie lorsque j'ai fermé. Oui, ça devenait trop compliqué. Je trouve que les choses deviennent trop compliquées. Oui. Soi-disant, on doit simplifier la vie depuis Giscard, mais je crois qu'elle est tellement plus compliquée que...
et que le trou s'agrandit là où on s'avance. Bah, disons que chaque fois qu'on parle de simplification, on peut être sûr que ça va être plus compliqué. Oui, simplification. Avec la simplification mathématique qui est exacte. C'est vrai. Et je vois aussi que tu as écrit un autre livre, c'est le premier livre que tu as écrit d'ailleurs, Désolé, je t'aime. Désolé, je t'aime, alors, ça parle de quoi, Désolé, je t'aime? C'est un recueil, de réflexions d'un grand amoureux qui est Bernard Sauvage. Voilà. D'accord. Donc ça commence par... c'est un livre qui intéresse beaucoup les jeunes finalement, parce que ce sont des réflexions et des mots et des phrases qui restent, acceptables même maintenant. L'amour, c'est universel. J'ai perdu 6 jours pour te dire je t'aime, j'ai perdu 6 jours d'amour. C'est pas faux. Bon, c'est pas faux. Hein. Et puis voilà, et là donc ce sont des réflexions et c'est chez l'Harmattan ça. Ça fonctionne toujours. D'accord. Parce que c'est éternel, ce sont des choses éternelles. En plus, c'est manuscrit. Oui, j'ai vu que c'était en fait des reproductions les mots manuscrits. Ah oui, non, c'est vraiment manuscrit, regarde. Voilà, effectivement. Tu vois, et ce sont des réflexions que chaque homme c'est ton aimerait écriture. Dire mais n'écrit pas. Hein, mais ça, c'est ton écriture. C'est mon écriture, oui. Ok. Voilà. Et puis alors aussi, tu as une anthologie de 7 CD et un DVD. Ah oui, alors ça, c'est toutes tes chansons. Ça, non, il n'y a pas toutes parce que j'ai fait à peu près 300 chansons, mais là, il y en a 150. D'accord. Et c'est toute ma carrière, finalement, pendant 50 ans. J'ai pas fait que 2 chansons. Évidemment. Et alors, il est intéressant parce que il y a toutes les époques jusqu'à maintenant. Ah oui, ça retrace toute ta carrière. Voilà. Et c'est pas mon testament, mais presque. Mais non, testament dit la mort, mais oui. Je sais très bien qu'on y va. On y va. On n'est pas pressé. Mais pour l'instant, non, on n'est pas pressé. Tant qu'on a la santé, mais ça, la santé, je dis aux gens, faites quand même, tant que vous pouvez marcher, faites du vélo, voilà. C'est ça, mais c'est ce qui entretient. Bien sûr. Moi, mon père est mort à 100 ans. Donc, si je vais à 100 ans, j'irai encore pour des années. Il y a encore de la marge. Non, mais je ne cherche pas, parce que c'est surtout la France, comment va la France qui m'intéresse, et je trouve qu'elle va très mal, et qu'en fait, notre État est en mauvais état. Voilà. C'est pas faux. Alors, pour revenir un peu aux chansons... Tu fais régulièrement des récitals ou des concerts, c'est pas comment il faut dire. Je fais surtout des concerts, oui, parce que j'estime qu'en ayant fait 300 chansons, il est normal que je puisse faire 1h30 ou 2 heures de scène. Et d'ailleurs, je reviens du Liban à Beyrouth, où depuis les années 70 me suivent et que les générations qui se suivent. Comme on passe toujours des chansons, c'est pas comme en France, puisque depuis 80, on a balayé. Bernard Sauvage, c'est même pas de 300e. C'est un peu triste parce que j'ai chanté à Beyrouth avec 30 gosses qui avaient 12 ans, qui chantaient l'amitié, qui chantaient le professeur, qui chantaient. Ah ouais. Et pour la langue française, ils adorent cette langue. Mais ici, c'est vrai, on me dit, mais les autres, ils chantent en français. Non, c'est pas ma langue, c'est pas ma façon, mon français. Oui, c'est... Voilà. Oui, il y a des chanteurs, on se demande quel français. Et puis, j'en veux pas aux gens qui... Mais bon, l'écriture que j'ai connue avec Franck Thomas, qui était pour moi le plus grand auteur de chansons, parce qu'il a fait aussi bien Téléphone pleure, il a fait 100 de tubes, mais avec moi, on a fait 100 chansons. Et je lui ai dit, lorsqu'il est parti, je lui ai dit, tu sais, on n'a pas eu un grand succès, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, nos chansons. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, et les projets, c'est quoi le prochain projet de Bernard Sauvage? Les projets, je pense, je vais peut-être sortir un album encore avec mes inédits. D'accord. Mais c'est tout. Je crois que j'ai fait les plus belles chansons. J'ai fait Quand maman dort, j'ai fait Je m'approche de Dieu, j'ai fait... Je trouve que j'ai... Lorsqu'on fait Quand maman dort, on n'a plus de chansons à écrire sur sa mère, puisque c'est la plus belle. Et ensuite, les thèmes, eh bien oui, c'est la vie, mais c'est la vie des gens.
j'ai beaucoup regardé vivre les gens plutôt que, et je n'ai pas beaucoup lu. Donc je suis. Et donc c'est prévu pour quand? Oh, c'est prévu chez moi. Quand j'aurai envie de le faire, je fais tout. Je fais mes vidéos, je fais mes disques. Oui, donc totale liberté. Mais je dis aux gens souvent, quand je mets sur Facebook, je dis venez me voir parce que un concert, c'est 30 chansons, c'est 3 mois de travail, c'est 2 heures par jour de mémoire. Et puis bon, la mémoire fout le camp. Hein. Non, si tu travailles pas, forcément. Les gens pensent que tu rentres sur scène, tu vas chanter des chansons, tu prends ta guitare. Alors, j'ai noté que tu as fait une chanson sur un hommage à Osvaldo Piazza. Oui. Donc, tu es amateur de foot alors? Ah ben oui, j'ai toujours suivi le foot et j'ai écrit un bel album avec Lederman d'ailleurs, qui était sur le foot à l'époque où je n'ai... Et Osvaldo était pour moi celui qui a redonné un peu de fougue. J'étais un Argentin et donc j'ai pris mon copain argentin, Saint-Étienne. Ouais. Donc ils en auraient besoin maintenant, même s'ils sont montés en première division. Et ils sont montés en même temps qu'Auxerre. Et moi, je suis supporter d'Auxerre. Et Auxerre aussi. Mais Auxerre, ils ont intérêt aussi à faire attention. Oui. Parce que si c'est pour monter et descendre. On va essayer de faire mieux. Et puis j'étais très très ami avec Michel Hidalgo, donc c'était j'ai eu la chance. Un grand sélectionneur. J'ai eu l'honneur de faire à Marseille au Stade Vélodrome son j'ai eu la chance de faire son portrait au Stade Vélodrome. D'accord. C'était ouais, sont des gens qui étaient bien, des sportifs bien. Donc la chanson met un peu de foot aussi alors. Ouais. C'est la vie. C'est sûr. Eh bien écoute, merci Bernard. Eh bien écoute, je te dis à bientôt puisque je suis là encore quelques années. Oui, ben, j'espère moi aussi. Allez, bon salon. À bientôt, au revoir.